Yeah. Ah oui, padre, let me take my bikes. C'est bon. Alors, la communauté chrétienne est la deuxième plus importante communauté religieuse de Guinée. C'était important pour MTN de venir les accompagner dans ce temps de pénitence, qui est leur carême. On en est au dernier jour, donc MTN a tenu à faire un geste, parce que nous sommes très très proches des communautés dans lesquelles nous opérons, et nous voulons montrer que nous les soutenons et nous sommes pour le développement social de toute la communauté guinéenne en général. MTN a souhaité exprimer son élan de solidarité, de soutien et d'accompagnement pendant cette période très très spéciale. Vous avez une vingtaine de sacs de riz, une vingtaine de sacs de sucre, une vingtaine de bidons d'huile, également de tomates, etc. Des produits de première nécessité en fait. Et je remercie MTN aussi parce que Jésus, le fondateur de notre église, le fondateur de l'église, a un penchant vers les pauvres. Il est né pauvre, il a vécu pauvre et il demande de faire attention aux pauvres comme lui. Donc MTN, en se tournant vers les familles démunies, pour nous imite l'exemple de Jésus pour aider les pauvres à se relever, à marcher et à aller de l'avant. Le geste fait par MTN doit aussi pousser les bénéficiaires à partager avec les autres. On ne reçoit pas pour garder pour soi les mains fermées, mais la main ouverte, le cœur ouvert pour partager avec les autres. Donc, je demande aux bénéficiaires d'être les imitateurs de MTN. Parce que c'est Jésus qui nous demande d'être attentif aux pauvres, d'être attentif aux sans-voix, d'être attentif à ceux qui sont nécessiteux aujourd'hui. Est-ce que vous avez des